sommes au musée Eureka à Saint-Sébastien, plus précisément au parc technologique de Miramont. Ici, on va pouvoir découvrir la science d'une façon ludique. Ce musée a été ouvert en 2001, donc ça fait 16 ans déjà, et on a reçu jusqu'à 2 millions de visiteurs. On a la biologie, la géologie, la physique, tout ce qu'on voudra, et en plus d'une façon expérimentale. On va pouvoir interagir avec les modules. La plupart de la visite au musée Eureka va se passer ici, dans la salle d'exposition permanente. On a 7 salles différentes dans lesquelles on va découvrir de différents domaines de la science. Donc on a la salle d'optique, on a aussi la salle de biologie et géologie, la salle de monde mécanique, et puis un étage en haut dans lequel on va découvrir l'être humain, son corps, avec des corps humains vrais, et aussi son esprit, dans laquelle on fait des expériences avec l'interprétation qu'on fait de nos sens. Nous sommes à l'enceinte du planétarium. Ici, tout ce qu'on fait, c'est dédié à l'astronomie. On a un écran de 14 mètres de diamètre dans lequel on fait des projections en demi-sphère. Donc on a une sensation de 3D. On va faire de différentes sessions, donc des sessions fermées, des sessions ouvertes avec l'intervention des animateurs, et puis des sessions spéciales avec des différents phénomènes astronomiques qu'on peut avoir au cours de l'année, comme les solstices, les équinoxes, des éclipses. Dans ce planétarium, on peut accueillir jusqu'à 140 personnes. Nous allons entrer maintenant dans la salle Animalia. Là-dedans, on va pouvoir trouver de différentes espèces animales, de différents écosystèmes aussi. Allons-y. On a une zone dans laquelle on peut trouver des squelettes et des fossiles différents. Ici, par exemple, nous avons le python tigre, un squelette de plus de 300 os et dans lequel on peut voir les côtes qui ne se rejoignent pas pour pouvoir avaler ses proies en entier. Ici, dès qu'on entre, on sent la chaleur d'une forêt tropicale parce que les animaux qu'on va trouver là sont précisément d'un climat tropical. On a par exemple l'iguane vert, c'est le préféré des visiteurs. Dans ce lieu-là, on peut trouver plus de 20 espèces de différents écosystèmes. De plus, ici, les enfants, les écoliers apprennent que la nature est un équilibre finalement. Un équilibre qu'il ne faut pas casser et que la main de l'homme casse souvent. Maintenant, on va vous présenter le serpent faux corail du Honduras, des forêts tropicales du Honduras. C'est un serpent. La particularité de ce serpent-là, c'est qu'il a les mêmes couleurs qu'une autre espèce, le corail du Honduras, qui lui est très venimeux, son venin est mortel. Mais celui-là est inoffensif. Ces couleurs-là lui servent pour mieux survivre dans la nature. Les déprédateurs n'auront pas à aller chercher le faux corail parce qu'ils croient que c'est un animal venimeux. Alors, dans les visites guidées, on aura l'opportunité de le toucher, comme je suis en train de faire. Il n'attaque pas. Et ça, alors, sa langue peut intimider un peu parce qu'il n'arrête pas de sortir la langue, mais en fait, c'est parce que les serpents ont l'odorat dans leur langue. On est dans la salle des simulateurs dans laquelle on peut se divertir. On a 5 types de simulateurs différents. Donc celui dans lequel je suis, c'est le Max Flight. Ici, on va pouvoir faire 2 types de simulations différentes. Un vol avec un avion militaire et aussi une montagne russe dans laquelle on va commencer à tourner et à perdre le sens de la gravité. Ces simulateurs-là peuvent aussi servir à sentir les différents effets des forces mécaniques.
Donc ici, on va perdre par exemple la gravité. Dans la Formule 1, on va sentir la gravité beaucoup plus forte, beaucoup plus amplifiée. D'autres animations sont plus pensées pour les petits, avec des mouvements plus subtils et une découverte de la préhistoire, par exemple, de la Lune ou d'autres planètes.